بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chapitre 152 باب ما يقال عند الميت Un chapitre qui dit mon dia quand un jimoun il mot, ça veut dire un jimoun qui est à côté lui. Wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Et un jimoun qui pour lui, une famille, un proche fin mot, lui qui le dit. Alors vous trouvez un titre là ressemblé, mais il y a un détail important. Ici par exemple, c'est sa proche là. Ça, vous trouvez dans l'exemple, une madame, son monsieur une mot, un monsieur son madame une mot, un enfant son parent une mot. Donc quand un jimoun proche comme ça, Akosan mette man mata lahu mayyit. Un jimoun qui pouli en un mayyit, ça veut dire un jimoun bien proche avec les finmots. L'équilidia. Hadith 920. Alors, ça dit, hadith qui nous pouli aujourd'hui là, les poulons mêmes histoires que hadith qui nous l'a lié. C'est ma, dans différentes façons, dans différents riwayat. An Ummi Salama, radiallahu anha. Rapporté par Ummul Mu'minin, Ummu Salama, radiallahu anha. Alors, nous rappelle. Ummu Salama, ça vient de cette cause là, en Ali avec Abu Salama, monsieur et madame, c'était des parmi les plus grands sahaba, parmi les gens qui acceptaient l'islam plus bonheur. Abu Salama participe dans la bataille Uhud ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est blessé, il est bien blessé même. Une blessure qui n'est pas fin guérie. Finalement, un peu de temps après, il finit faire wafat suite à sa blessure là. Alors ça c'est l'événement là qui peut raconter quand il peut faire wafat. Alors Ummu Salama radiyallahu anha et nous souligne le fait que Ummu Salama c'est Ummul Mu'minin, nous maman de bonne croyant, ça veut dire l'été fait nikah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après et donc le fin vin parmi ban ummahat al-mu'minin. Alors il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit idha hadartumul marid ou le mayit quand je suis présent auprès de un djimoun qui est malade ou soit un djimoun qui est mort fin fek mort alors là il met possibilité malade ou soit in mort alors talen ou ça à la fin hadith là faqulu khayra alors cause le bien comme on dit hier faqulu khayra causez le bien fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun parce que ben ange je te fais amin là ce que je dis donc nous causez du bien nous causez du bien pour ça du monde qui est malade ou soit qui est mort là nous pas dire mauvais qui nous connaît l'oli nous causez du bien parce qu'il y en a onze qui peut faire amin il y en a onze qui peut recueillir ça ben l'impression là pour montrer ça du monde là ce dossier si nous cas exprimé de la façon là et ben onze peut dire amin donc n'a pas dire malheur au moins malheur au nous qui peut arriver à cette calamité là nous non pas dire ben affaires comme ça mais dire ben affaires positives nous faire doigt pour ça du monde là qui Allah pardonne lui qui Allah donne lui jannat nous faire doigt qui Allah donne nous sabar qui Allah facilite nous comment nous vous trouvez ici ben doigt qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner donc dire juste du bien parce qu'il ben on se peut dire amin qalat et il continue il dit falamma mata Abu Salama quand Abu Salama fini faire intégral أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت مفين الجد أم سلمة جاء مفين الجد للنبي صلى الله عليه وسلم مفين جيلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سلمة قد مات أبو سلمة فين فين في وفاة قال للا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلي قولي جيا المونتريان دعاء اللهم اغفر لي وله أو الله pardon moi et pardon lui aussi donc Ummu Salama pour faire doigt ou Allah pardonne-moi et pardonne-lui aussi donc c'est son monsieur qui finit mot là ben, nous l'avons souligné une affaire qui quand nous faire doigt pour nous avant après nous faire doigt pour les autres quand nous commençons à faire doigt il y a un adab qui nous adopte quand nous faire doigt parmi là-dedans c'est qui nous faire doigt pour nous avant après nous faire doigt pour ben, les autres wa a'qibni minhu uqba hasana remplace-li traduit-li littéralement remplace-li par un substitut qui meilleur, ça veut dire sa situation difficile qui est là, l'amour avec la détresse, pas qu'on est qui pour faire, un père de famille finement, un poteau dans la case, maman là, enfant là qui pour faire, c'est-à-dire. Alors nous faisons droit qui Allah
il remplace sa difficulté là pour une quelque chose qui plie bon qui ça. Allah prend un monsieur qui Allah donne plus bon qui ça. Qui Allah met la famille dans une situation plus bon qui ça. Et qui Allah donne sa madame là un substitut, un alternatif qui plie bon qui ça. Vous savez, c'est qui nous peut trouver comme amaler là, qui Allah amène un plus grand quelque chose encore qui ça. Un quelque chose qui est beaucoup plus bon qui ça encore. Un plus grand bonheur. Fakultu lela Ummu Salama jamu finjia fa'aqabani Allahu man huwa khayrul li minhu. Et Allah effectivement fin de moi meilleur qui lui, ça veut dire meilleur qui Abu Salama Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Allah fin de moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait parce que après ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait un nikah avec lui. Alors fin en a beaucoup de monde en mariage quand ce monsieur fin mot. Ben Abu Bakr, Omar, tout ça là, tu fais des demandes en mariage parce que sa madame là, elle tient des gens bien vertueux. Parmi les grands sahabiyats. Et l'étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était là, il y a une proposition pour faire un nikah avec lui. Il est venu, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, peut montrer qu'il ne va pas accepter parce qu'il y en a trois problèmes. Qui problème il y en a? Premièrement, il dit moi, une madame qui est assez jalouse, possessive. Il y en a ça dans lui. Alors, il dit, attention, ça fait problème. Deuxième, il dit qu'il est molage inavancé. Il n'est plus jeune à ce stade, molage inavancé. Troisième, il y a des enfants. Il y a un tas de petits-enfants. Alors, attention, ça vient un problème, vient une difficulté pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, premier problème là, de jalousie, alors, il fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'y aller, améliorer. Deuxième problème là, tu l'as inavancé, mais moi aussi pareil, Rasulullah sallam dit, moi aussi moi l'as inavancé. Troisième problème là, mes enfants, la famille, alors Rasulullah sallam dit, mais ta famille, c'est ma famille. Donc c'est comme ça que Rasulullah sallam après fin fait un nikah avec lui, il fin vin ummahat, parmi man ummahat al-mu'minin, c'est pour ça qu'il dit, moi fin fait sa doa là, trouvez là, ça veut dire qu'il fin exécute l'ordre de Rasulullah sallam. Résultat, fruit sa doa là, fin vini. Il fait gagne bien meilleur qu'Abu Salama, il fait gagne plus meilleur possible qu'il y a une madame capable de gagner, ce qui est fait un nikah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans riwayat muslim, dans l'autre riwayat, il vient comme ça, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « ou al-mayyit » quand vous êtes présent auprès de al-marid, le malade, et al-mayyit, dimon qui fait un fake mot. « Ala shak » il y a un doute là, dans Rawi là, il y a un doute. Ou soit l'india marid, ou soit l'india mayyit. Et dans Riwayat Astela, Riwayat Abu Daoud, et ben les autres encore, il y a al-mayyit zis, bila shak, sans aucun doute. Il y a Riwayat que Rawila li passia, india marid, ou soit l'india mayyit. Mais dans certains Riwayat, india mayyit, quand un djimoun fait mot, alors tout peut à croire qui. C'est quand un djimoun fait mot qui nous dit ça, mais c'est ma peine aucun le mal qui nous dit ali dans la situation un djimoun comment dire dans sa crainte les malades et nous connaît ce bandit il est bien arrivé. Prochain hadith qui dans même il raconte même histoire hadith 921 wa anha radiyallahu anha qalat rapporté toujours par Ummu al-Mu'minin Ummu Salama radiyallahu anha li dia sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul mufintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dia ma min 'abdin tusibuhu musibatun fa yaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Alo n'importe qui sen la ki an musibat an problem an calamité fin vin loli. Et il dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, ça doit là, ça, formule là, nous connaît bien. Nous lions quand? Quand nous avons une nouvelle mayat. Ce n'est pas juste dans la mayat qui nous lie ça. C'est un bout d'un ayat Coran. Nous lions quand il y a une difficulté. N'importe quelle difficulté qui frappe nous, dans la place qui nous a dit une mauvaise parole, dans la place qui nous a plaigné, nous a crié, nous dit Subhanallah, ou soit nous dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui veut dire ça? Certainement, c'est à Allah qui nous appartenir. Et c'est vers lui qui nous peut retourner. C'est à Allah qui nous appartenir, et c'est vers lui qui nous peut retourner. Ça veut dire quand même qu'il arrive, nous, dit bien ou soit dit mal, Allah qui nous fait ça, c'est à lui qui nous appartenir, nous met tout dans son main, et quand même qu'il arrive, dit bien ou soit dit mal, finalement, c'est vers Allah qui nous peut retourner.
Attention, nous allons mettre nous l'espoir, nous allons mettre nous confiance dans autre qui Allah. Attention, nous allons dans sa difficulté là, ben moyen apporte Allah ou soit ben moyen qui Allah pas satisfait. Parce qu'il quand même qui arrivé, quand même qui nous fait, c'est vers Allah qui nous peut retourner. Tout pour retourner vers Allah. C'est lui-même qui posise tout et ultimement c'est lui-même qui peut dans tout. Comment nous y apprendre notre foi là? L'iman il mulkul yaoum. La royauté appartient à qui aujourd'hui yaoum al qiyam. Lillahi al-wahid al-qahhar. A Allah li tout seul al-qahhar li fait ce qu'il y a envie. Alors ça ayat ça formule là qu'est sorti dans ayat Coran dans sourate Baqara comme on nous connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bashir as-sabirin, donne bonne nouvelle à bandimoun qui fait patience, qui fait preuve de patience, ban sabirun qui san lasa alladhina idha asabat-hum musiba, bandimoun qui quand une musibat comme on nous trouvait dans ce hadith là, une musibat fin tabzot, un problème fin tomlozot, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Je dis, c'est à Allah qui nous appartient, c'est vers Allah qui nous pourrait tourner. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سبحان الله لوزتنا صلواتنا الله سبحان بنديكشن إن رحمة لوزت. وأولئك هم المهتدون. Et c'est سبحان الله qui bien guidé. Donc qui Allah fait nous vient parmi سبحان الله. Une des bonnes façons, c'est qui tout le temps nous quand il y a un problème, quand il y a un malheur, nous ne pouvons pas dire quelque chose, même ça nous dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Là, qui nous comprend, qui veut dire ça, nous dit « Ali avec le cœur ». Pas dire une parole pour ne pas comment dire, pas dire non, rien, mais nous connaît qui nous peut dire, nous connaît son meaning ça. Alors, celui qui, quand il arrive un problème, lui dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Allahumma jurni, Allahumma jurni. Le verbe c'est « ujurni », ça veut dire « dans son amr, dans son impératif, oh Allah, récompense-moi. Donc, quand nous pouvons lire ensemble, nous pouvons dire Allahumma, nous pouvons faire sukun losa hamzala. Allahumma jurni fi musibati. Oh Allah, récompense-moi dans mon musibat. Comme on nous connaît, n'importe qui problème qui touche un musulman, un mu'min, quand il y a un iman, Allah pour récompense-lui pour ça. Même si un piquant fin pique-lui, ce péché pour effacer et il pourrait une récompense pour ça. Donc toute difficulté qui gagne, gagne récompense. Wa akhlif li khayran minha, et sa problème là, sa musibat là, sans lui, fait lui vin pli bon qui ça. Fait lui vin sans lui, fait lui vin une bonne affaire qui pli bon qui ça. Donc celui qui a une musibat, il trappe lui, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oh Allah, récompense-moi pour sa musibat qui m'a fait gagner là. Et sans lui, fais-lui venir quelque chose qui m'aillait, fais-lui venir bon quelque chose. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khayram minha. Qu'arrivait quand il dit ça? Illa ajarahu Allahu ta'ala fi musibatihi. Allah subhanahu wa ta'ala li pour récompenser, li pour donner une récompense pour ce musibat, problème qu'il a gagné. Wa akhlafa lahu khayran minha, et li pour faire li gagne c'est qui plus bon qui ça encore. Alors quand un dimon il fait du bien, il pas gagne pareil, il gagne plus bon qui ça. Quand un dimon il fait péché, il gagne un péché. Il fait un péché, il gagne punition pour un péché, et Allah qu'a pardonné. Mais quand il fait un dit bien, nous n'apprenons ça, nous n'avons pas un chapitre, jusqu'il finit de venir là. Quand il fait un dit bien, il n'a pas gagné un sawab. Il gagne plus. Il gagne 10. Il gagne 700. Ou soit il gagne plus. Et là, c'est un dit bien qu'il fait, qui a là pour dire. Allah dit ça pour moi, c'est moi qui vous récompense. Pour ça. Combien il peut gagner, pas connaître. Donc, jamais il gagne un seul. Tout le temps, quand il fait un dit bien, il peut gagner plus qu'il sait encore. Alors, quand il fait sa doua là, Allah vous donne plus qu'il sait encore. Et quand il finit gagne sa difficulté là, Allah vous donne lui sa wa pour récompenser dans place sa difficulté là. Qalat dala Umm Salama radiyallahu anha, quand il dit ça, il dit falamma tuwfiya Abu Salama, quand Abu Salama ce monsieur fin fait wafat, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mo fin fait kuma Rasulullah sallam fin dit comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit donne-moi pour dire doa qu'il y a un diamant, j'ai demandé, fa akhlafa Allahu ta'ala li khayran minhu
Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah fin donne-moi ce qui meilleur, qui est Abu Salama. Fin donne-moi Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ben leçon important qui nous tirait là-dedans, c'est qui nous fin apprendre un doigt. Quand un dimon fin mot dans nos proches qui nous dit. Et quand nous faisons ça doigt là, nous fin trouver l'expérience. Finalement, les Mujarrab, Umm Salama peut partager sur l'expérience avec nous. De suite, Allah subhanahu wa ta'ala fin exauce ce doigt et fin donne lui ce qui est meilleur dans dunya et ce qui est meilleur dans akhirat. Alors ça, il est important, nous garde ça, l'état d'esprit là. Ne pas dire une mauvaise parole, nous dire juste une bonne parole parce qu'on peut faire amin. Et nous faire doigt que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous parce qu'il s'allait là, on peut faire amin. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, sa parole mubarak, qui Allah pour faire ça. Donc, nous attendons, nous avons l'espoir, full l'espoir, nous avons yakin, qui Allah pour donner nous ce qui est meilleur. Alors, il est capable de paraître une pire calamité qui est là. Allah fin prend un chef de famille finale. Mais seulement Allah pour donner nous meilleur que ça. Alors, nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala, lui récompense nous dans ma difficulté qui nous gagne, lui fait nous gagner bon état d'esprit, surtout sabar, dans mon moment de difficulté, et que Allah subhanahu wa ta'ala, mette nous la bouche et que dans nous le cœur, ça va un moment là, ban meilleure parole et ban meilleur sentiment, et que Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, lui donne nous meilleur de ce qui arrive nous. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين